Ça va et toi? Tranquille, tu as manqué. Bah ouais. Tu fais là? Bah là, je suis tranquille, posé. Et toi? Tu me présentes pas? Ouais, Camille Alexandre, Alexandre Camille, un pote de collège. Non, mais qu'est-ce que tu fais toi? Bah, je me suis fait virer de mon lycée, donc je suis tranquille. Ouais, bien joué. Pas la première fois, malheureusement. Non, mais bon, on s'habitue. On peut se faire une bouffe à un moment ou... Ouais, grave, en vrai, ça fait un petit bout de temps, on peut se faire ça si tu veux. Pas de soucis. Tu viens? Ouais, j'arrive. En plus. Vas-y. Ouais, ils ont décollé ce matin là. Okay. Attends, 2 minutes. Demain midi, ça te dit? On va chez moi. Ouais, pourquoi pas? Ouais, vas-y. Trop bien. Vas-y. Fais comme ça. A plus. Ouais. Ouais, j'arrive. A plus. Vas-y, mec. Genre c'est une connaissance de collège, un mec qui s'est viré collège, lycée, peut-être primaire. Ah, mais c'est possible ça. Allô. Voilà, tu sais. Bah, par exemple, au collège, il était passé en conseil de discipline, il s'est fait virer pour avoir fini un jour en cours. Mais t'es en quelle classe? 5e, je crois, c'est le pire. Il est sérieux? Ouais, c'est un malade. I watch the blue wave cover it over. Do what the ocean does best. I know the past is the past. But then again, the present's nothing without it. I feel fine, don't even feel sad about it. I just love you, baby, so, so bad. Allô? Ouais, ça va? Ça te dit pas on se voit aujourd'hui? En plus, là, il fait beau, ça te dit on peut sortir manger? Non? Non, bah non. Non, non, vas-y, laisse tomber. Ouais, bah on se voit tout à l'heure. Ouais, salut. C'est vrai que ça? Je fais arrête. Tu auras un whisky? Je sais pas. Enfin, tu peux pas laisser tomber, mais. Non, mais enfin, attends, mais tu vois, pour un moment. Il n'y a pas de whisky, disait. Alors ça va? Tu deviens quoi, dis-moi tout. Bah... toi, qu'est-ce que tu deviens? Pas grand-chose, hein. Toujours avec Camille, tout se passe bien. D'ailleurs, tu viens de la rencontrer. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont partis pendant 3 semaines, un mois, pour faire un truc sur leur mariage, à la maison tranquille. C'est cool ça. C'est cool. Tu bois? Allez, vas-y. C'est ouvert. Hello.
Alors, c'était comment? Ouais, tu sais, c'est un déjeuner entre potes, normal. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on regarde? Je sais pas, je crois qu'il y a le dernier épisode de Narcos qui sortait. Mais non. Si, si, bah, viens, je te rejoins après. There's magic everywhere when you're young and in love. Salut Alexandre, qu'est-ce que tu fais là? Salut, Paul, il est là ou pas? Faut que j'y parle. Ouais, il est là. Paul! Salut Alexandre, ça va? Oui mec, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Faut que je te parle. 5 minutes, on se rejoint au club. Je t'attends. Ok, vas-y, pas de soucis, je te rejoins. Eh, il m'inspire pas vraiment confiance, Alexandre. Non, t'inquiète, il est sympa. Mais tu m'as pas dit qu'il fumait des joints à genre 12 ans? Non, mais enfin, moi, tu sais bien que je touche plus à ça. Tu veux me voir? Ouais, j'ai un truc pour toi. Je sais pas. Hein. Tu peux te faire beaucoup d'argent avec. Je vais réfléchir, enfin, je te dirai. To be or not to be. To free or not to free. Crawl or not to crawl, fuck all those perfect people, to sleep or not to sleep, to creep or not to creep. Alors, t'as réfléchi? Je pense que je peux reprendre. Ok, tant mieux. Tu commences demain. Rendez-vous à l'angle de ta rue. Ça marche. Fuck all those perfect people. Allô? On veut pas se voir aujourd'hui? Ouais, non, là je te vois, je suis occupé. Je suis jamais normalement. Non, je suis sûrement occupé, toi. Tu prends ça et tu ramasses un maximum d'argent. Ok. Et si je me fais choper? Tu cours. Oh Nico, t'es revenu? Ça va? Attends, je vais chercher Paul. Il part souvent comme ça, Paul? Bah ouais, justement, c'est ça le problème. Justement, il passe sa vie avec son pote Alexandre. Mais je sais pas, il débarque de nulle part, il m'inspire pas du tout aussi. Bah il se passe une journée entre potes normal quoi, non? Ouais je sais mais enfin. Non je sais pas, je le sens pas. Enfin bref, il y a quelque chose de plus important dont je voulais dire. C'est il y a son pote Alexandre là, il m'a montré une photo de la mère de Paul et qui avait quelqu'un complètement différent de son père. Quoi? Mais attends, ils sont mal aisés ses parents. Bah c'est pour ça que j'étais un peu étonné quand tu m'as dit ça. Attends, je vais. Tu veux lui parler là? Je pense pas que ce serait une bonne idée. Hein. Je pense. Je suis sûr. Je pense qu'on va attendre qu'il rentre, on lui dira en face. Ça va mec alors, c'était comment l'Espagne? Bah c'est chaud. Hein. On pouvait pas sortir du tout d'affaires parce que bah, tu voulais sur place quoi. T'es rentré quand? Bah je rentrais hier. Et toi tes parents ils sont où en fait? Là ils sont en Malaisie, à Bali, pour leurs 20 ans de mariage. Et ils reviennent quand? Ils reviennent d'ici 3 semaines je crois. Donc j'ai la maison pour un mois.
c'est. Donc voilà, il y a ton pote Alexandre qui m'a montré une photo de ton soi-disant père et de ta mère. Tu joues à quoi? Ça fait deux jours on t'a pas vu. Tu joues à quoi ça? Eh, ça fait deux jours. Putain, tu m'as vraiment pris pour un con. Après toutes ces années où tu savais très bien que j'avais arrêté. T'as vraiment juste avec Photoshop t'as réussi à me baiser, ça va? Mais de quoi tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Non mais je sais tout mec, j'ai appelé mon père. Évidemment que c'était faux, je m'en doutais tout le temps, mais t'as réussi à mettre un doute, fils de pute. C'est que c'est au moyen de te faire revenir à 100% mec. Mais là tu m'as perdu à 100% et pour toujours. Oh, mais... Ah, t'es rentré? On va à la falaise?